Hier soir, j'avais mis le petit matelas propre et puis une petite bannière pour Tania. Et qu'est-ce que je vois ce matin? Les petits qui sont dans la bannière. Ah, dans le petit lit, confortable. Oui, les bébés. Et oui. Et s'ils sont mis tout seuls, ça c'est pas mal alors. Oh, ben on commence à aimer le confort, hein, les petits kiki là. On commence à aimer le confort. Oui. On va faire dodo. Elle est chippie, hein. Oh là là. Et ce PVC qui est dans un état. Ah, si je peux, je mettrai du carrelage, si c'est possible. Parce qu'alors, c'est vraiment infernal, ce PVC de mauvaise qualité, là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Puis alors, avec les taches qui se créent, là, que je peux pas enlever. Pff, alors vraiment, ces taches, du rose, alors que j'ai jamais fait de peinture là-dedans. Bon, enfin, il faudra prévoir ça quand je pourrai. Ma fifille. Oh, les bébés. Comment ça a bien bougé, les bébés, dis donc. Ah, ne me monte pas dessus comme ça. Doucement quand même, hein, parce qu'elle veut jouer avec, mais faire doucement. Doucement, Tania, doucement. Hein. Doucement, Tania. Doucement. Tania, doucement. Oh, mais c'est pas, ce sont pas des jouets, hein. Oh, elle est coquine, hein. J'espère qu'elle sait ce qu'elle fait. Normalement, oui. Enfin, tu fais doucement, hein. Tu mordilles doucement. Ah bah oui, comment ça? À grimper. Tout doucement. Et il commence à aimer le confort. La douceur. La chaleur. Bon, mais je te laisse, ma fille. Je crois que il y a des bébés qui veulent téter. En tout cas, là, il y a un bébé qui veut téter. Hein? Oui, ma fille. Oui. Oui, ben. Bon, je te laisse parce que sinon, tu vas venir me faire le câlin, hein. Bon, allez, je te laisse avec tes marmots. Eh ben, dis donc. Si je m'attendais à ça ce matin. Alors, Sidonie est avec nous. Oui, tu es avec nous, mais si tu t'approches, je peux pas te présenter comme il faut, ma fifille. Va te coucher, va t'installer près du poêle. Voilà, on va se mettre près du poêle, ma fifille. Alors, c'est fini pour toi, hein? T'es tranquille maintenant, hein? Les gars ne t'embêtent plus. Mais elle était sortie de son bac, le 2. Sans culotte. La culotte était entière. Hein. Enfin, elle était bien fermée, mais elle était accrochée à l'extérieur, toujours au collier. Ma fille qui boit. Ah non, c'est pas elle qui boit. Bah, elle est sortie du coup. Ah, voilà ma Sidonie là. Elle est sortie. Et là, c'est qui? C'est Touti. Touti, à l'aise.
Tania est avec nous, elle est sortie de nouveau. Elle fait ce qu'elle veut. Il n'y a qu'elle qui fait ça. Elle sort toute seule de la... du box. Elle passe par-dessus 3 grilles. C'est pas mal, ça. Hein? C'est pas mal. Oui, alors pour Sidonie, bien, il faudra que je fasse ce que j'avais pensé déjà. Mettre une autre chaîne depuis le collier sur le ventre qui accroche la culotte. Et là, avec 3 systèmes d'accrochage, ça m'étonnerait qu'elle puisse enlever sa culotte de protection. Mais enfin, de toute façon, elle sera isolée quand même. Parce que il ne faut pas prendre de risques pour les fifilles, pour le moment en tout cas. Là c'est Uno. Hein, Uno le beau. Uno le beau. Et puis là, sur le dos, c'est Ullman. Bon, et puis les autres doivent être dehors. J'espère qu'ils ne font pas de bêtises.